si l'on n'imprimait que l'utile, il y aurait 100 fois moins de livres, disait Voltaire. Vu l'argument à traiter, qui est assez complexe et très long, j'ai voulu, Branda, vous prendre un extrait du cahier de Voltaire. Le bail à loyer, 7 mai 1745. Fut présent Messire Claude Frédéric, le bègue de Mingainville, prêtre, docteur, de la maison et société de Sorbonne, abbé de Morigny, conseiller du roi, en sa cour de parlement et grand chambre, demeurant à Paris rue d'Enfer, paroisse Saint-Jacques du Haut-Pas. Le dit sieur de Mingainville, tant en son nom que comme se portant fort de messieurs de Mingainville ses neveux, tous propriétaires de la maison ci-après, lesquels est dit nom et par ses présentes données à loyer et prix d'argent pour 6 années entières et consécutives, qui commenceront le jour et fête de Saint-Jean-Baptiste prochain, et a promis pendant le dit enfer jouir à très haut et très puissant seigneur Florent Claude Marquis du Châtelet, Laumont et de Siret, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant général des armées du roi, et à très haute et très puissante dame Gabrielle, Émilie de Breteuil, son épouse, se acceptée par madame dame marquise du Châtelet, tant en son nom que comme fondée de la procuration générale, dudit seigneur, son mari, pour l'administration de ses biens.